Coucou, donc on se retrouve dans la vidéo mensuelle du haul. Donc je vais vous montrer un achat que j'ai fait sur Vinted. Sur Vinted, j'ai pris le livre Sherlock Attaque chez les Samouraïs. Comme ça, donc c'est le tome 4 et c'est celui qui complète la série puisque j'ai acheté tous les autres pareil sur Vinted. Et du coup, c'était le dernier qui me manquait et je l'ai eu à très bon prix donc je l'ai pris. Sherlock, c'est. Une petite saga illustrée par Benjamin Lacombe d'un petit chat, donc c'est le bleu là, qui est un enquêteur comme Sherlock Holmes, mais avec des chats. Donc voilà, enfin avec des animaux. Ensuite, chez Pull&Bear, j'ai acheté ce t-shirt. Attendez, je vais vous reculer. J'ai acheté ce t-shirt, je l'ai pris en taille L. C'est plus pour l'hiver parce que du coup, en fait, le col il n'est pas décolleté. Donc en été, là, ça fait chaud, je trouve. Du coup, ça, en hiver, c'est idéal. Donc, il est comme ça. Voilà. Et ça, je l'ai payé 8 euros. Donc, voilà. Ensuite, chez Sostrengren, j'ai pris du thé. C'est le Irish Cream que j'adore. Vraiment, j'adore ce thé. Ensuite, chez Action, pardon. Chez Action, j'ai trouvé le fond de teint Antenne 121 que j'avais pas trouvé les autres fois. Donc là, pardon, là j'en ai pris un. Parce qu'en fait, j'ai la teinte au-dessus, du coup, voilà. Ensuite, au parc Astérix, j'ai pris une petite carte parce que je la trouve très mignonne avec le petit bisou doré. Ensuite, chez Primark, j'ai pris un lot de deux pinces à épiler. Parce que déjà, je n'en avais pas amené en vacances et j'en voulais une. Et en plus, parce que j'en ai qu'une chez moi, comme ça, si je la perds ou quoi, au moins j'en ai. Et là, il y en a une qui est toute toute fine, vous voyez, celle-ci que j'ai déjà utilisée. Et franchement, ça coûte 1,50 € les deux. C'est de très très bonne qualité. Donc, je suis très contente. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai pris deux parfums. J'ai pris le Wild, enfin le Azalée Sauvage et le Peach Bouquet. C'était 3 euros les 20 ml, donc j'en ai pris deux. Comme ça, c'est les deux que j'ai aimés, tous les autres, je ne les ai pas aimés. Donc, mais je les ai tous essayés. Et en fait, celui-ci, tout de suite, j'ai bien aimé. Alors que celui-ci, en fait, je l'ai vaporisé sur moi et j'ai détesté. Et au bout d'une demi-heure, une heure, j'adorais l'odeur. Mais vraiment, et en plus, ça a tenu vraiment plusieurs heures sur ma main. Donc vraiment, j'étais trop contente. Du coup, je sais que quand je vais le vaporiser sur le coup, pendant au moins une demi-heure, presque une heure, je ne vais pas trop aimer. Parce qu'en fait, c'est un peu... C'est fort un peu au début, mais après, vraiment, l'odeur, elle est trop trop bien sur moi. Et celui-ci, j'ai adoré tout de suite, vraiment, j'aime trop. Donc, voilà. Et ensuite, chez Primark, j'ai pris un pyjama. Je l'ai payé 14 euros. J'adore la matière. Je vais vous dire ce que c'est avant. C'est un. C'est pas du tout écrit. C'est peut-être écrit sur le pantalon. Je cherche. C'est un polyester et élastane, mais vraiment c'est trop agréable. Donc j'ai pris en taille XL 42-44, ça me va très bien. Donc il y a un débardeur comme ça et un pantalon. Et vraiment, j'ai essayé le pantalon, il me va très bien. Et vraiment la matière, elle est trop trop agréable. Alors là, je pense que si je le mets maintenant, je vais avoir chaud, mais vraiment, ça va être top pour cet automne-hiver. Donc voilà, et en plus, j'aimais bien le motif bleu avec des fleurs. Et donc, oui, ça c'était 15 euros. Alors attendez, je vais tout remettre dans mon petit sac Primark avant que ce soit trop le bordel. Donc, ça, ce sont que des achats que j'ai fait, à part le petit livre que j'ai acheté sur Vinted, pendant mes vacances en région parisienne. Et donc, le petit livre que j'ai pris. Et après j'ai passé une commande sur beauté privée. Normalement il y a un truc qui est pas pour moi et après c'est tout pour moi. Enfin après j'ai pris pas mal de bougies Yankee Candle parce que il me reste une bougie Yankee Candle et une petite une bougie il me reste une bougie Yankee Candle, elles sont derrière vous là, une bougie Action un peu grosse et après il me reste un petit pot qu'on m'a offert là mon anniversaire, les petites bougies dans les petites boîtes métalliques là. Du coup j'ai fait le plein de bougies parce qu'il y a un petit candle sur beauté privée, ça vaut quand même le coup hein. Ça sent bon quand on ouvre, mais les bougies je sais pas si je vais toutes les garder pour moi ou pas, je vais voir. Pour une fois c'est bien protégé parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des problèmes avec beauté privée.
Donc déjà pour ma voiture, j'ai pris ça. C'est lavin des citrons. Alors, en fait, je n'aime pas, ça sent pas à travers, je n'aime pas l'odeur de lavande, mais cette bougie, un grand format, je l'avais déjà offert à Marilyn. Et en fait, l'odeur, elle était forte, mais c'était pas, ça me faisait pas mal à la tête comme juste la lavande de base. Du coup, je me suis dit que pour la voiture, ça sentait assez fort pour que ça sente dans la voiture, mais pas une odeur que j'aime, que je déteste, pour que je supporte quand même. Du coup, je vais l'essayer, au pire, je le donnerai à quelqu'un, c'est pas un problème. Donc voilà, par contre, j'ai pas les prix et il n'y a pas de facture. Hein. Donc, il n'y a pas de facture. Donc ça, je ne le montre pas parce que c'est pas pour moi. Ensuite, un votif comme ça, des petites. J'ai pris Pink Sand, sable rose. Ça sent quoi? Franchement, je sais pas ce que ça sent. Bref, je sais pas. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai pris Lever de soleil sur la falaise. Ouh, ça c'est super sucré. Enfin, c'est pas sucré, c'est vraiment bizarre ça comme odeur. Ça sent bon, mais c'est un peu bizarre. Ensuite, j'ai pris Lettre au Père Noël. Ça sent rien. Alors, comme ça, ça sent rien. Mais ben, je verrai bien. Mais comme je vous ai dit, je sais pas si je vais tout garder pour moi. Hein. Donc, ensuite, j'ai pris des coffrets en fait. Et si j'ai des doubles dans les coffrets, je les offrirai en fait les doubles. Donc. Je les trouve trop mignons ces coffrets, ils coûtent 15€ le coffret et je trouve que ça vaut le coup parce que du coup les bougies font 37 grammes, elles sont très jolies, elles sont dans des petits bougeoirs en verre. Donc là on a boule de neige merveilleuse, biscuit roulé à la menthe, baiser glacé, il y a un truc qui sent trop bon, vanille fumée et cachemire, sauge d'argent et pain, ça j'aime pas, épicéa blanc et pamplemousse. Donc ça c'est un kit de Noël, donc ça c'est trop bien. Ensuite un kit je crois japonais ou je sais pas trop quoi là qu'ils ont fait, donc il est comme ça. Dans celui-ci on a Mont Fuji majestueux, ça a l'air de sentir bon, festival fleur de sakura, c'est une fleur de sakura, saté à la prune, bizarre, cèdre marin, j'arrive pas à sentir, orchidée sauvage. En fait, il y en a un qui sent, je sais pas lequel c'est. Et après, ambre et boîte santal. Ouais, je pense que c'est ambre et boîte santal qui sent. Donc ça, c'est une édition japonaise. Très, très mignon aussi. Ensuite. Ensuite, ça, c'est pas pour moi. En fait, j'ai pris deux fois la même chose. Je suis un peu con. Bref. En fait, j'avais pas vu. Mais du coup, en fait, dans le kit qui est là, en fait, j'ai pris le même en partie du bas, mais comme le packaging n'était pas pareil, je me suis fait avoir. C'est exactement les mêmes qu'il y a en bas. Du coup, ça, je pense que je vais les offrir. Parce que c'est les mêmes, en fait, que les autres. Donc, à moins que j'adore. Mais déjà, il y a celle à la sauge, là, que j'aime pas. Du coup, celle-ci, je vais les offrir. C'est sauge, pamplemousse et vanille boîte fumée, là, machin. Donc, voilà. Et après, l'autre truc, c'était pas pour moi. Et après, j'ai pris... à l'unité comme ça, donc j'ai pris mochi aux fruits rouges. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent le bonbon mais vraiment à fond. Ensuite j'ai pris gaufre banane caramel. Oh, ça sent bon, ça sent pas trop le caramel mais ça sent bon. Et l'autre que j'ai pris c'est ciel aquarelle, c'est très doux, c'est très agréable. Donc comme ceci avec des montgolfières. Parce qu'en fait ceux-là c'est ceux qui n'étaient pas dans les kits. Et après j'ai pris toutes les odeurs en kit. En fait ça revenait moins cher que d'acheter un par un. Bon là je vais remettre les trucs dans le carton. Parce que... Mais du coup ouais, les kits comme ça avec 6 bougies ça coûtait 15€. Avec 3 bougies ça coûtait 8€. Et sinon à l'unité elles sont à 2€ je crois à peu près. Et les petites outils, c'est encore moins cher comme ça. Mais celles-ci, elles n'ont pas de contenant, en fait. Une fois que j'aurai enlevé le plastique, il faut que je les mette sur quelque chose pour que ça fonde, en fait. Enfin, pour que ça fonde. C'est pas un fondant, mais pour que ça se... Enfin, quand ça coule, que ça coule pas partout, quoi. Donc ça, j'ai dit, c'est pas pour moi. Ça, non plus. Et ça, à essayer dans la voiture. Voir si je supporte l'odeur. Mais en fait, j'avais pas beaucoup de choix en parfum de voiture. Et celui-là, je sais, je l'ai déjà senti, en fait. Donc, je sais que c'est une odeur que je peux supporter, même si elle est un peu forte au début. Je me dis dans la voiture c'est aéré et tout donc ça devrait aller.
Et puis Lenvir, j'étais contente de trouver ces choses parce qu'en fait, il y avait des choses sympas, mais il n'y a pas forcément ma taille. Et en fait, il n'y a pas de magasin Lenvir vers chez moi, du coup, j'étais très très contente. Et cette couleur comme ça, bleue, j'ai pas de t-shirt de cette couleur. Donc voilà. En plus, j'aime bien les motifs astro et tout. Mais j'aime pas les motifs astro trop trop kitsch là qu'ils font. Alors que ça, c'était bien, genre juste blanc sur le fond bleu, c'était idéal. Du coup, voilà. J'ai pas exagéré là au mois d'août. J'étais en vacances, à part à Paris quand j'ai fait du shopping. Ben vous voyez, j'ai pas acheté non plus à fond. Déjà parce que j'avais la valise pleine et pas un budget limité. Mais aussi parce que ben, en fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut chez moi là. C'est vraiment juste pour me faire plaisir comme ça. Sur beauté privée, vous voyez, j'ai pris que des bougies en fait pour moi. Après, ce que j'ai pas pris pour moi, c'était autre chose. Mais vraiment, j'ai pas exagéré ce mois-ci. Là par contre je vais vous filmer une vidéo juste après celle-ci de ma commande USA qui est arrivée, parce qu'en fait je commande sur un groupe privé, mais enfin sur un groupe de commandes, et du coup je vais vous expliquer tout dans la vidéo parce que vous êtes pas mal à pas connaître. Du coup je vais vous faire une vidéo à part du groupe privé de commandes et tout, et comme ça je vous montrerai ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu là, spécial États-Unis en fait. Donc la vidéo, je pense que là, celle-ci, vous allez l'avoir ben, là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, là quand elle est sortie. Et je pense que l'autre, je la programme pour dans 15 jours en fonction de mon planning. De toute façon, c'est un haul, donc je peux le sortir n'importe quand. C'est pas comme si je faisais des vidéos nouveautés ou quoi, j'en fais pas, donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous, vous aimez bien la marque Candel, si vous profitez des promotions sur beauté privée aussi. Et dites-moi si vous avez acheté beaucoup de choses ou pas là cet été. En tout cas au mois d'août. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!